Hello, greetings. This is Shani Peer. I'm the director of the Maison Française at Columbia University, and we're so delighted to welcome Gaël Fay today to share some lecture à domicile. I just wanted to say a word in English to say that the rest of this will be in French. So, on va changer maintenant en français. Je suis vraiment très honorée de souhaiter la bienvenue à Gaël Fay qui va partager un moment avec nous aujourd'hui. Nous avons pensé que pendant cette période de confinement et de couvre-feu, il serait vraiment formidable, dans un moment où les artistes ne peuvent pas voir leur public et le public ne peut pas voir leurs artistes, d'inviter Gaël Fay à faire une lecture à domicile, c'est-à-dire de faire une lecture de chez lui en France, de quelques poèmes qui l'ont particulièrement inspiré. Et aussi de déclamer quelques-unes de ses propres compositions. Il va donc faire ça. Merci beaucoup à Gaël d'avoir accepté notre invitation. Et tout en dialoguant avec nous, avec Fanny Gay, qui va bientôt prendre la relève pour moi. Fanny est la directrice, la coordinatrice de programme de la Maison Française. Et elle travaille de très près avec moi sur tous nos événements. Et elle connaissait déjà Gaël et partage avec lui un intérêt pour le Rwanda, entre autres choses. Donc voilà. Et nous allons réserver 10 minutes à la fin de la conversation pour des questions de la part du public. Donc, si vous avez une question en anglais ou en français, n'hésitez pas à la mettre dans le Q&A en bas de l'écran. Et j'espère que Gaël aura le temps de répondre à vos questions. Merci beaucoup, c'est un grand honneur et je passe la parole à Fanny Gay. Merci Shani. Bonsoir Gaël. Bonsoir. Bienvenue, enfin c'est toi qui nous accueilles. Bienvenue. Bienvenue chez moi. Bienvenue à tous les auditeurs qui nous ont rejoints des quatre coins du monde. Je sais qu'il y a des personnes qui sont là de Chicago, de Milwaukee, de Boston, Suisse, le Rwanda, l'Italie et la France évidemment, et New York. Je vais commencer par te présenter dans les grandes lignes et puis ensuite j'ai quelques questions par rapport à ce que tu lis. Alors, je sais, en fait, la première fois que je t'ai rencontrée, je ne savais rien de toi, c'était il y a plus de 10 ans, et on était assis à un café et tu as commencé à parler d'un livre de Camus que tu étais en train de lire. Et donc, pour moi, tu es resté dans mon imaginaire comme un grand lecteur. Mais tu n'es pas que ça, tu es aussi un auteur, compositeur, interprète, rappeur et écrivain. Et plus récemment un scénariste ou co-scénariste. Tu nais à Bujumbura au Burundi d'un père français et d'une mère rwandaise réfugiée au Burundi qui avait fui les pogroms contre les Tutsis qui ont précédé le génocide de 94. À la suite du déclenchement de la guerre civile au Burundi et du génocide des Tutsis au Rwanda, tu es obligé de fuir à l'âge de 13 ans avec ta petite sœur et tu t'installes en France. En France, tu découvres le rap et le hip-hop notamment. Tu fais des études de finance, tu obtiens un master de finance. Tu vis ensuite, et là je te cite, une vie de poisson rouge dans la City de Londres. Du coup, tu décides de te consacrer à l'écriture et à la musique. Côté musique, tu sors ton premier album solo en 2014, intitulé Pili Pili sur un croissant en beurre. Album enregistré entre Paris et Bujumbura. Tu collabores avec de nombreux artistes, notamment le chanteur angolais Bo, Ben l'Oncle Sor, Banga, Kalinga, Saul Williams, Oxmo Puccino et beaucoup d'autres. Et en 2020, tu sors ton second album, Lundi Méchant, dont tu partageras quelques textes avec nous après.
Côté littérature, si j'ose séparer la littérature et la musique, pour toi, c'est peut-être artificiel. Côté littérature, tu publies en 2016 chez Grasset ton premier livre, petit roman, premier roman, petit pays, pardon, intitulé inspiré de ton propre parcours. Et ce livre remporte plusieurs prix, notamment le prix du roman FNAC et le prix Goncourt des lycéens. Petit pays est ensuite adapté au cinéma sous le même titre par Éric Barbier et tu co-écris le scénario avec lui. Il est tourné au Rwanda avec de nombreux acteurs amateurs, tout jeunes acteurs. Et il est sorti en France l'année passée, pas encore aux États-Unis, mais on espère le voir prochainement. Voilà pour les grandes lignes, on espère découvrir, en découvrir plus pendant cette heure avec toi. Merci. Je vais commencer juste pour lancer la conversation par une question sur ton roman, sur Petit Pays, qui est inspiré de ton enfance au Burundi et de ton expérience. Et dans ce roman, la littérature, à mon avis, joue un rôle clé ou un rôle salvateur, notamment à travers le personnage d'une voisine, Madame Economopoulos, je crois. Ouais. Et je me demandais en fait si elle avait vraiment existé, comment est-ce que tu as découvert la littérature ? Est-ce que c'est quelque chose qui faisait partie de ton environnement au Burundi ? Ou est-ce que c'est venu après? Est-ce que tu écrivais déjà? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Oui, alors le Burundi et le Rwanda sont déjà deux pays où il y a une forme de littérature qui est la poésie. Ils sont vraiment, avant même la musique, avant toute autre forme d'art, ce sont des pays où l'art premier, c'est la poésie, et la poésie orale. Malheureusement, j'y avais pas véritablement accès parce que ma mère étant partie très tôt, ayant quitté le Burundi très tôt, j'avais pas une maîtrise suffisante du Kirundi et du Kinyarwanda pour comprendre ce niveau de langage. Mais par contre, mon père aimait beaucoup les chanteurs à texte comme Jacques Brel ou Brassens. Et donc, il avait quand même, il aimait nous transmettre la langue de cette façon-là. Mais paradoxalement, il n'y avait pas de livres, pas de bibliothèque dans la maison où nous habitions. Et pour moi, la littérature, c'était surtout ce que l'on nous donnait à lire à l'école. Et j'ai découvert la littérature et les bibliothèques en arrivant en France. Et pour faire pourquoi j'ai voulu que Gabriel, le personnage de mon roman, rencontre cette femme, Madame Economopoulos, et qu'elle lui donne le goût de lire et le goût des livres, c'est parce que durant la guerre, moi j'ai découvert le goût de l'écriture. Et l'écriture a été une manière pour moi de passer à travers cette expérience assez traumatisante de la guerre de façon plus... Disons que l'écriture m'a permis d'avoir des moments d'apaisement, des moments où je pouvais quitter un petit peu ma condition, ce que j'étais en train de vivre, et m'imaginer des ailleurs, m'imaginer... du réconfort. Et donc en arrivant en France, j'ai continué à écrire, et c'est par l'écriture que j'en suis arrivé à lire. Et Madame Economopoulos, sinon, n'a pas existé, mais pour moi, elle représente toutes les personnes qui transmettent le goût des mots. C'est comme une figure symbolique de ces personnes qui ont cette faculté de transmettre le goût des mots aux autres, que ce soit par la lecture, la musique. Donc, disons que mon père ou mes tantes ou bien des profs à l'école, je les ai réunis en une seule personne qui serait Madame Economopoulos. Okay.
Merci, merci. Je trouve assez intéressant que l'écriture, dans des périodes douloureuses, joue ce rôle de thérapeutique ou libérateur, surtout, qui permettent de transformer une expérience. Est-ce que il y a des poèmes ou des textes fondateurs qui t'ont marqué et qui t'ont aidé à traverser cette expérience? Oui. Alors, en arrivant en France, c'est vrai que là, j'ai d'abord commencé par lire les classiques. Bon, déjà, on nous faisait lire des classiques à l'école. Mais ensuite, donc moi, je suis arrivé, ma mère habitait à Versailles. Donc j'habitais à Versailles. Il y avait une bibliothèque où j'allais souvent, qui d'ailleurs était vide. Et ça m'étonnait parce qu'il n'y avait qu'une seule bibliothèque à Bujumbura, qui était la bibliothèque du Centre culturel français. Elle était toujours pleine, pleine à craquer. Et là, c'était une bibliothèque où il n'y avait personne. Donc j'étais tout seul. Et donc, j'ai lu les classiques. J'avais envie de... Enfin, je ne sais pas si j'avais envie, mais en tout cas, j'ai été happé par ça. Donc, Stendhal, Hugo, Flaubert, Dumas. Donc, c'est vraiment une période où j'ai lu beaucoup de classiques. Et étrangement, je lisais ces mots-là, mais je ne me retrouvais pas moi, je ne retrouvais pas mon expérience de jeune franco-rwandais, burundais qui était là dans cette nouvelle société française. C'était des mondes dans lesquels je m'échappais, mais qui ne parlaient pas directement de ma condition. Et ma première, la première rencontre avec une poésie qui me marque et qui me parle et qui parle aussi de mes révoltes d'adolescent, parce que lorsque je suis arrivé en France, j'ai découvert que j'étais noir, alors que toute ma vie au Burundi, j'étais blanc. Et donc j'ai traversé pendant cette adolescence un complexe identitaire très très fort, très aigu, surtout que je ne pouvais pas en parler dans ma famille, sachant que ma mère est noire, donc elle comprenait même pas de quoi je parlais. Mon père est blanc, il comprenait pas. Donc c'était vraiment une expérience très personnelle, très douloureuse. J'étais en plus dans une ville blanche. À Versailles, il y avait très peu de gens qui venaient d'ailleurs, donc la question du métissage culturel n'existait même pas. Peut-être que si j'étais arrivé dans une autre ville française, j'aurais pu un peu mieux traverser ce moment-là. Et donc je suis tombé sur ce livre-là, Pigment, névralgie, de Léon Gontran Damas. Et en fait, comment je suis arrivé sur ce livre-là, c'est simplement le mouvement de la négritude. C'est le premier mouvement quand j'ai commencé à me dire, bon, j'ai envie de lire des choses aussi qui parlent de l'Afrique. Donc j'ai commencé à lire des romans africains, mais c'était souvent de l'Afrique de l'Ouest. Mm-hmm. Rien qui me ramenait à la région des Grands Lacs dans laquelle j'avais grandi. Et donc souvent revenait ce mouvement-là de la négritude. Alors j'ai lu Senghor, j'ai lu Césaire, mais j'ai eu du mal à les comprendre. C'était une langue trop complexe à mon âge, à l'âge que j'avais à ce moment-là. Et Léon Gontran Damas, donc, qui est aussi l'un des fondateurs de la négritude, qui lui s'inspirait beaucoup de Harlem Renaissance, qui était un ami de Langston Hughes, avait des textes qui étaient beaucoup plus... abordable pour moi, beaucoup plus qui était beaucoup plus moins imagé, qui faisait appel à moins de métaphores, à un langage beaucoup plus simple d'une certaine façon, et aussi beaucoup plus explicite. Et d'ailleurs, pour moi, Léon Gontran Damas, quand je l'ai lu, il m'a ramené tout de suite à la façon de s'exprimer des rappeurs. Donc voilà, c'est le
Est-ce que j'en lirai quelques passages? Avec grand plaisir. Est-ce qu'il y a un poème en particulier qui... Alors, j'aimerais en lire deux. OK. Il y a un poème qui s'appelle « OK », « OK » comme le « OK ». Et donc, pourquoi ce poème? Tout simplement parce qu'il parle, il fait la différence dans ce poème entre la condition de noir et de métis. Donc, bon, là, les mots qui sont employés, c'est nègre et mulâtre. Mais déjà, pour moi, c'était une première parce que je vivais dans un monde où on était soit noir, soit blanc. Et d'un coup, il y avait quelqu'un qui parlait d'une frontière plus ténue dont j'entendais jamais parler. Et puis, c'est aussi quelqu'un à qui on impose une convention et qui subit les conventions. Et comme aussi, j'ai grandi comme ça dans énormément de conventions, ce texte m'a parlé très fortement. Donc, je vous le lis. OK. J'ai beau avaler 7 gorgées d'eau, 3 à 4 fois par 24 heures. Me revient mon enfance dans un hoquet secouant mon instinct, tel le flic, le voyou. Désastre. Parlez-moi du désastre. Parlez-moi. Ma mère voulant d'un fils très bonne manière à table, les mains sur la table, le pain ne se coupe pas, le pain se rompt, le pain ne se gaspille pas, le pain de Dieu, le pain de la sueur du front de votre père, le pain du pain. Un os se mange avec mesure et discrétion. Un estomac doit être sociable. Et tout estomac sociable se passe d'euros. Une fourchette n'est pas un cure-dent. Défense de se moucher au su, au vu de tout le monde. Et puis, tenez-vous droit. Un nez bien élevé ne balaye pas l'assiette. Et puis, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit à la fin de chaque repas. Et puis, désastre. Parlez-moi du désastre. Parlez-moi. Ma mère voulant d'un fils mémorandum, si votre leçon d'histoire n'est pas sue, vous n'irez pas à la messe dimanche avec vos effets du dimanche. Cet enfant sera la honte de notre nom. Cet enfant sera notre nom de Dieu. Taisez-vous. Vous ai-je ou non dit qu'il vous fallait parler français, le français de France, le français du français, le français français. Désastre. Parlez-moi du désastre. Parlez-moi. Ma mère voulant d'un fils, fils de sa mère, vous n'avez pas salué voisine, encore vos chaussures sales, et que je vous y reprenne dans la rue, sur l'herbe ou la savane, à l'ombre du monument aux morts, à jouer, à vous ébattre avec un tel qui n'a pas reçu le baptême. Désastre. Parlez-moi du désastre. Parlez-moi. Ma mère voulant d'un fils très d'eau, très ré, très mi, très fa, très sol, très la, très si, très do, ré, mi, fa, sol, si, do. Il m'est revenu que vous n'étiez pas encore à votre leçon de violon. Un banjo. Vous dites un banjo. Comment dites-vous? Un banjo. Vous dites bien un banjo. Non, monsieur. Vous saurez qu'on ne souffre chez nous ni de ban, ni de jo, ni de gui, ni de tar. Les mulâtres ne font pas ça. Laissez donc ça aux nègres. Merci. Et donc, il y a également il y a un autre poème qui, je le conseille vraiment en lecture, hein, tous les poèmes de Gontran Damas sont très forts. Il y a beaucoup d'humour dans ces poèmes, il y a une rythmique, et puis on voit aussi cette manière très très simple d'écrire, qui n'est pas simpliste, mais qui va à l'essentiel. Il y a ce texte qui s'appelle « Solde », ce poème, et qui m'a aussi beaucoup marqué par son rythme, un rythme jazz. Alors, Léon Gontran Damas, je sais que c'était un,
C'était un fanatique de jazz. Et on l'entend vraiment dans le rythme des phrases. Et dans ce texte, c'est un texte écrit au vitriol et qui dénonce encore une fois les convenances qui fait ressentir la difficulté que ça devait être à l'époque d'être un noir dans des milieux intellectuels, dans des milieux bourgeois, dans le grand monde, parce que on devait, j'imagine, côtoyer un état d'esprit très, très empreint de colonialisme, de racisme décomplexé. Et donc moi, je ressens aussi dans ce texte-là que je vais lire, cette manière de se sentir à l'aise, de se sentir à sa place. Et donc ça parlait aussi directement de ma propre expérience. Donc, solde. D'ailleurs, le texte a été écrit pour Aimé Césaire. J'ai l'impression d'être ridicule dans leurs souliers, dans leur smoking, dans leur plastron, dans leur faux col, dans leur monocle, dans leur melon. J'ai l'impression d'être ridicule avec mes orteils qui ne sont pas faits pour transpirer du matin jusqu'au soir qui déshabille, avec l'émaillotage qui m'affaiblit les membres et enlève à mon corps sa beauté de cache-sexe. J'ai l'impression d'être ridicule, avec mon cou en cheminée d'usine, avec ces maux de tête qui cessent chaque fois que je salue quelqu'un. J'ai l'impression d'être ridicule, dans leur salon, dans leur manière, dans leur courbette, dans leurs multiples besoins de singerie. J'ai l'impression d'être ridicule avec tout ce qu'ils racontent jusqu'à vous servir l'après-midi un peu d'eau chaude et des gâteaux enrhumés. J'ai l'impression en forme d'aliasson. J'ai ridicule parmi eux complices, parmi eux souteneurs, parmi eux égorgeurs, les mains effroyablement rouges du sang de leur civilisation. Merci Gaël. Merci. Je ne sais pas si c'était... Pour nos auditeurs, c'était aussi une découverte, mais moi j'ai trouvé, quand tu m'as proposé ces poèmes, je les ai trouvés extrêmement forts et ça résonne aujourd'hui, ça résonne encore aujourd'hui. Et il y a un grand pouvoir d'identification et une révolte qu'on entend encore aujourd'hui dans les rues et dans les cœurs. Ça m'amène à une autre question. Tes chansons et ton roman traitent de sujets douloureux, pas que, hein, mais aussi racisme, métissage, inégalité sociale, génocide des Tutsis. Et je me demandais comment est-ce que tu conjugues tes luttes, tes engagements citoyens pour la mémoire, avec tes aspirations artistiques. Est-ce que tu t'appuies sur des textes et je pensais en particulier à la chanson de ton nouvel album, Kwibuka. Ouais. Comment est-ce que tu articules ta lutte pour la mémoire avec ton œuvre? Oui. Ouais. Disons que je pense que pourquoi j'ai commencé à écrire, c'est parce que j'avais peur au départ pendant la guerre et que et voilà
qu'il y avait dans l'écriture un apaisement, comme un baume, comme une manière de m'échapper de la situation. Et puis ensuite, j'ai continué à écrire en arrivant en France parce que je vivais ce sentiment d'écartèlement identitaire, de perte de repères liés à l'exil. Donc une souffrance aussi, parce que l'exil, pour moi, à cette époque-là, c'était une souffrance. J'avais envie de vivre au Burundi, j'avais pas envie de vivre en France. On avait dû partir et donc j'attendais véritablement le moment où je pouvais retourner au Burundi. Et puis en 2000, j'ai eu un choc terrible dans ma vie, c'est la découverte de l'histoire du Rwanda à travers une pièce de théâtre qui s'appelait Rwanda 94, qui avait été écrite par un collectif qui s'appelait le Groupe Off, un collectif franco-belge, avec beaucoup de Rwandais également à l'intérieur. Et c'était une pièce qui durait, je pense, 5-6 heures et qui avait pour ambition de quasiment exhaustive, hein, d'expliquer ce qui s'était passé au Rwanda. Et en fait, j'ai vu cette pièce et j'ai compris l'histoire dont j'étais issu. Parce que jusqu'à cette date-là, donc on est en 2000, hein, c'est-à-dire qu'on est 6 ans après le génocide. Jusqu'à cette date-là, pour moi, génocide, guerre, massacre, extermination, tout ça, c'est un peu la même chose. Et je ne comprends pas vraiment d'où vient ma famille, d'où je viens, de quelle histoire je viens. Et en découvrant la spécificité du génocide, j'ai comme un décodeur de tout ce qui m'est arrivé, de tout ce que l'on m'a dit, de ce que j'ai vu au Rwanda, parce que moi je suis retourné au Rwanda très tôt, dès 94, juste après le génocide. Ma famille est retournée là-bas, donc j'ai vu le pays très tôt, après ce qui s'était passé. J'avais comme ça des images que je n'arrivais pas à expliquer, je n'arrivais pas à mettre de mots dessus, et c'est cette pièce de théâtre qui a été un électrochoc. Et à partir de là, j'ai commencé à beaucoup écrire sur le génocide, sur la question de la mémoire, sur la question de vertigineuse de ce que c'est que venir de cette histoire-là. Et c'est vrai que encore jusqu'à aujourd'hui, pour moi, il y a dans le génocide, dans l'idée de génocide, ça englobe tout de l'être humain, c'est-à-dire les pires des choses et les choses les plus lumineuses également. Ça parle de nos sociétés modernes parce qu'un génocide commence aussi par le langage, donc ça part des mots et ça termine par l'idée la plus abominable, c'est qu'a pu inventer l'être humain, c'est d'imaginer qu'on puisse faire disparaître une partie de l'humanité simplement parce qu'elle est ce qu'elle est. Et donc dans ce vertige là, dans cette qui part du mot jusqu'au charnier, il y a toute une histoire qu'on a beau questionner, on a l'impression de ne pas la comprendre. Et moi, j'ai beau écrire là-dessus, j'ai beau lire, j'ai beau rencontrer les survivants, j'ai beau rencontrer les tueurs, j'ai beau baigner là-dedans, plus j'avance dans cette histoire-là, et plus j'ai l'impression de ne pas comprendre, et plus j'ai l'impression d'être perdu, Et donc, c'est pour ça que, d'une certaine façon, je suis presque piégé par cette histoire-là. Cette histoire-là, elle me piège, elle piège le pays d'où je viens, elle piège la communauté dont je suis issu, qui, qu'elle le veuille ou non, vivra toujours avec ce génocide. Et donc je m'oblige à écrire autre chose que ce génocide-là. Et je me rends compte que même quand j'écris autre chose, ce n'est pas parce que j'ai envie d'écrire forcément autre chose, c'est aussi parce que j'ai envie de ne pas être prisonnier
Et donc, c'est toujours en rapport à cette histoire-là qu'aujourd'hui je me situe. Et c'est quelque chose que j'essaye d'accepter petit à petit, même si c'est difficile. Alors, par exemple, Petit Pays, ce roman n'était pas pour moi un roman qui parle du génocide, il parle de la guerre. Alors, bien sûr, il y a les répercussions du génocide des Tutsis au Rwanda lorsque la mère de Gabriel revient, mais c'était l'histoire d'un paradis perdu. Je n'avais pas l'impression d'aborder frontalement le génocide dans ce roman-là. Et malgré tout, c'est ce que beaucoup de lectrices et de lecteurs ont ressenti. On est souvent venu me parler du génocide à travers ce roman-là. Donc, je vois bien que d'une certaine façon, j'ai beau essayer de me détourner, je reviens à ça. Et même quand je fais un album, comme Lundi Méchant, j'ai terminé mes titres et je n'arrive pas à sortir un album si je ne mets pas cette chanson-là, Kouibouka d'ailleurs, qui clôture l'album de façon assez symbolique, parce que c'est comme, pour moi, c'est comme une douleur... C'est comme une douleur fondamentale. On vient de là et c'est à partir de là qu'on réfléchit le monde. Et moi, vous savez, par exemple, le racisme dont je peux être témoin dans la parole politique. En France ou même aux États-Unis, ça renvoie toujours au Rwanda parce que le génocide, c'est rien d'autre que le projet ultime du racisme. Et donc, la parole politique, lorsqu'elle animalise, lorsqu'elle marginalise les populations, lorsqu'on a tendance dans nos sociétés modernes à trouver des boucs émissaires, eh bien, ça me ramène toujours au Rwanda. Et donc, c'est comme si cette histoire-là, ce génocide, avait plaqué une grille de lecture devant mes yeux. Est-ce que je peux te demander de nous lire ou nous réciter Kouibouka ? Oh, et peut-être juste... préciser que ce que ça signifie oui. On se rappelle, on se souvient. On se souvient, oui. Kouibouka, c'est se souvenir. Donc, c'est un mot qui est utilisé. On parle même des commémorations. On utilise beaucoup, beaucoup ce mot. Alors, Kouibouka. Au-dessus de ces collines s'élève ma voix jamais, ou mon petit pays, Rwanda bien-aimé. Un million de gouttes d'eau qui tombent de terre en ciel, un million de nos tombes en trombes torrentielles, de nos fosses profondes à nos points culminants. Nous sommes debout maintenant, les cheveux dans le vent, à conjurer le sort qu'un désastre engloutit, à se dire qu'on est fort, qu'on vient de l'infini. Je rêve de vous, chanson d'un soir d'ivoire. Je rêve de vous, mes mots sont dérisoires. Je rêve de vous, quand l'histoire nous égare. Je rêve debout, au jardin des mémoires. Et vu que je renais déjà de nos abysses, je fais de nos sourires d'éternelles cicatrices. Et j'arpente la vie sans jamais oublier qu'un orage en avril, qu'un soleil en juillet. Merci. Je vais faire un saut à des questions un peu plus hip-hop, un peu plus... tu m'as parlé d'un autre poète qui t'a beaucoup marqué, René de Pestre, oui. qui pour moi incarne justement assez bien cette,
cette révolte, mais lumineuse, et que je retrouve dans ton travail d'artiste musical et dans ton premier roman aussi. Il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de tendresse. Et tu m'as appris récemment en fait que tu avais fait un album avec lui où vous avez lu ses poèmes. Je me rappelle bien, il s'appelle justement l'album Révolte et tendresse. Oui, exactement. Ouais. Est-ce que tu veux bien nous choisir un poème de René Depestre? Alors moi, il y a un poème de René Depestre qui me marque beaucoup. C'est alors René Depestre, il a aujourd'hui, je crois, 94 ans. Il vit dans le sud de la France. C'est un poète haïtien. Il est aussi romancier. Et c'est quelqu'un que j'ai découvert, je crois, j'avais 16 ans, et qui m'a bouleversé. Je l'ai découvert avec un poème qui s'appelle Minerai noir, et j'ai trouvé ça incroyable. Et puis j'ai continué à lire tout. Enfin, j'ai lu tout René Depestre. Et en fait, ce qui me marque chez lui, c'est comment il allie et la vie et la poésie. Et il est dans les questionnements, et il est jamais dans une seule posture. Il essaye de toucher à tous les panels de l'émotion humaine. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Et donc, il y a ce poème qui s'appelle « Me voici ». C'est le premier poème qu'il a écrit lorsqu'il avait 19 ans. Il a sorti un recueil de poèmes auto-publiés, auto-édités, qui s'appelait « Étincelle ». Et avec ce poème-là, il dit au monde « Me voici ». C'est son premier poème. Il dit « J'arrive en littérature, j'arrive en poésie ». Il se présente au monde, et ce poème-là est fabuleux, donc je vous le lis. Me voici, citoyen des Antilles, l'âme vibrante, je vole à la conquête de Bastilles nouvelles. Je glane dans les champs des moissons ensoleillées. J'interroge le passé, je mutile le présent, j'enguirlande l'avenir. Que mon être aspire au soleil. Me voici, fils de l'Afrique lointaine, partisan de folles équipées. Je cherche la lumière, je cherche la vérité. Je suis amoureux de l'âme de ma patrie. Me voici, nègre aux vastes espoirs. Pour lancer ma vie dans l'aventure cosmique du poème, j'ai mobilisé tous les volcans que couvait la terre neuve de ma conscience et j'ai renversé par un pompeux coup d'état toutes les disciplines nuageuses de mon enfance. Me voici, prolétaire. Je sens gronder en moi la respiration des foules. Je sens vibrer en moi la rage des exploités. Le sang de toute l'humanité noire fait exploser mes veines bleues. J'ai fondu toutes les races dans mon cœur ardent. Me voici, poète adolescent, poursuivant un rêve immense d'amour et de liberté. René Depestre. Merci. Je l'ai beaucoup aimé quand je l'ai découvert. Il m'a donné envie de me lever, de me tenir debout. Complètement, c'est ça. Et il est aussi amoureux. Ses textes, c'est vraiment un mélange de tout. Voilà, je vous invite, si vous voulez lire les poèmes de Depestre, vous voyez, il y en a beaucoup. Donc, ça s'appelle Rage de vivre. Et donc, c'est le recueil de tous ces poèmes. Et donc, l'album que j'ai fait avec lui, on en a pris quelques-uns et on les a lus, on les a déclamés ensemble. Et ce qui est intéressant aussi avec Depestre, c'est que il retravaille ses poèmes. Et donc là, il y a des poèmes qu'il réactualise. Quand il les lit, il ne lit pas directement le poème, il le réactualise par rapport à comment il se sent au moment où il le déclame. Donc
il laisse beaucoup intervenir la parole. Les mots ne sont pas figés. J'aime bien aussi cette idée-là que les livres, que les textes peuvent continuer à vivre. Tu m'as dit que tu faisais la même chose avec tes propres textes et aussi avec ceux des autres. Ben oui, je me permets effectivement, parce que je pense que l'important, c'est ce que nous procure un texte. C'est l'émotion dans laquelle le texte nous met. Et parfois, on peut être gêné par un mot. Et on peut avoir un mot que l'on emploie qui est à soi ou bien une phrase en moins ou une phrase en plus. Et c'est ça, pour moi, qui fait vivre la langue. Enfin, on voit bien, même dans la langue, le parler de tous les jours, comment on réactive la langue. C'est on la réactive par les vies que l'on a. Et il faut pas, enfin, pour moi, c'est dommage quand on sacralise trop un texte et qu'on le fige, parce que du coup on le fait vieillir d'une certaine façon, alors que ce qui compte c'est qu'on continue à ressentir les choses. Donc moi j'ai pas de c'est un peu comme quelqu'un qui fait une cover d'une chanson, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de reprendre la chanson telle qu'elle existe. Parfois on va ralentir le rythme, on va l'accélérer, parce que en tant que chanteur c'est ça qui va nous faire qui va nous permettre que on personnalise la chanson et on s'identifie encore plus à la chanson. Donc je pense qu'il faut pas hésiter à faire ça aussi avec les poèmes, parce qu'un poème c'est pas fait pour être lu, c'est fait pour être déclamé, pour être vécu. D'ailleurs on peut pas comprendre un poème si on le lit pas à haute voix, si on n'essaye pas de l'apprendre par cœur. Est-ce que tu nous montres avec Minerai Noir? Oui. Quand la sueur de l'Indien se trouva brusquement tarie par le soleil, quand la frénésie de l'or draina au marché la dernière goutte de sang indien, de sorte qu'il ne resta plus un seul Indien aux alentours des mines d'or, on se tourna vers l'Afrique pour assurer la relève du désespoir. Alors commença la bousculade échevelée vers le rayonnant midi du corps noir, et toute la terre retentit du vacarme des pioches dans l'épaisseur du minerai noir. Voilà des siècles que dure l'extraction des merveilles de cette race. Ô couche métallique de mon peuple, minerai inépuisable de rosée humaine, combien de pirates ont exploré de leurs armes les profondeurs obscures de ta chair? Combien de flibustiers se sont frayés un chemin à travers la riche végétation des clartés de ton corps jonchant tes années de tiges mortes et de flaques de larmes. Peuple dévalisé, peuple défriché, de fond en comble comme une terre en labour, mûris ton grisou dans le secret de ta nuit corporelle, nul n'osera plus couler des canons et des pièces d'or dans le noir métal de ta colère en crue. Moi, c'est-à-dire que tous ces poètes-là, ce qui m'a toujours impressionné, c'est la musicalité. Et la musicalité, c'est comme ce que je lisais tout à l'heure, ridicule. Enfin, j'appelle ça ridicule, mais c'est pas ridicule, c'est solde. Mais j'ai l'impression d'être ridicule dans leurs souliers, dans leur smoking, dans leur plastron, dans leur faux col, dans leur monocle, dans leur melon. On entend la batterie, Enfin, si on considère pas que la poésie c'est de la musique, on passe à côté la poésie. Et moi je le dis par exemple à ma fille, elle a 7 ans en ce moment, elle apprend beaucoup de poèmes par cœur pour l'école. Et donc espèce de voix monocorde de l'école, ça me rappelait quand on allait à l'école et on nous demandait de déclamer les poèmes, et puis on les récitait de façon monocorde, sans y mettre la vie. Alors bon, elle a 7 ans, bien sûr qu'elle ne peut pas encore s'emparer émotionnellement d'un texte, mais j'essaye de lui expliquer que c'est aussi de la musique et qu'elle a le droit d'accélérer, de décélérer, d'avoir
des inflexions de ton et de volume dans sa voix. Ce qu'on ne nous apprend pas du tout quand à l'école, en France en tout cas, on nous demande d'apprendre les poèmes. Je ne sais pas comment ça se passe aux États-Unis, mais ici, il y a une espèce de ton monocorde qui rend l'impression de faire un Ave Maria, quoi. Enfin, une espèce de prière comme ça, où il n'y a pas d'émotion. Et donc, oui, il y a... Moi, j'invite vraiment les gens à s'emparer des textes de cette façon-là. Ils les comprendront. Ils comprendront d'où viennent les émotions du poète. Ce que tu fais aussi très bien, c'est laisser des respirations. et ce qu'on n'ose pas faire à l'école. Ouais. Et du coup, avant de passer aux questions du public, je voulais terminer avec ton morceau Respire, qui tombe tellement bien en pleine pandémie. Je sais que tu l'as pas fait exprès, mais entre le I can breathe, ça résonne aujourd'hui très fort et c'est un texte qui fait du bien, c'est une chanson qui fait du bien. Et avant qu'on passe aux questions, je voulais te demander si tu étais d'accord de nous réciter Respire. Oui, je m'étais même dit quelque chose, c'est que je voulais le lire parce que pour. Parce que si je déclame comme ça, je pense que je vais être pris par la rythmique de la chanson. Mm-hmm. Et j'aimerais redécouvrir le texte d'une autre façon. Encore l'insomnie, sonnerie du matin. Le corps engourdi, toujours endormi. Miroir, salle de bain. Triste face à face. Angoisse du réveil. Reflet dans la glace. Les années qui passent garnissent le soleil. Au flash d'infos, les crises, le chômage, la fonte des glaces, les particules fines, courir après l'heure, les rames bondées, les bastons de regard. La vie, c'est l'usine. Hamster dans sa roue, petit chef, grand bourreau. Faire la queue partout, font la gueule partout. La vie, c'est robot. T'as le souffle court, quand rien n'est facile, même si tu te perds, et si tout empire, espère. Encore fatigué, la cloche du midi, le corps assommé, toujours épuisé. Les masques sont mis, triste face à face, poursuite du bonheur, reflet dans la glace, les années qui passent, flétrissent les fleurs. Les écrans, le bruit, les phrases assassines, les cons, les cancers, le temps qui s'écoule, le silence épais. La vie, c'est la guerre. Tourner dans le tambour. Amour placebo. Faire semblant pour tout. C'est violent partout. La vie, c'est Rambo. Respire. 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 Espère. Les yeux ouverts ne trouvent pas le sommeil. Dans le lit tourne tout le temps. Les phares des voitures balayent le plafond de leurs ombres dansantes. La nuit étouffe, la chaleur est lourde, l'orage est en suspens. Où sont les rêves? Où sont les rêves? Où sont les rêves d'enfants? S'échapper, déserter les rangs, s'évader des tapis roulants. Chercher le silence et l'errance, raccrocher, trouver sa cadence, se foutre des codes, des routines étroites,
quitter son rôle, les cases et les boîtes, ne pas craquer, claquer, cramer, desserre ton col pour respirer. T'as le souffle court, respire. Quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire. Et si tout empire, espère. Merci. Merci, merci beaucoup. Je me réjouis de... très bizarre de le faire comme ça, mais... de l'entendre en concert et de te revoir sur scène. Mais en attendant, on a la chance de t'avoir sous la main pour répondre à des questions qu'on se pose. Et je vais commencer à regarder les questions du public. Et là, on a une question qui tombe bien parce qu'on en parlait juste avant de commencer notre conversation publique, de Mig qui écrit « Rwanda 94, pardon, 94 est la pièce la plus forte que j'ai vue de ma vie. Elle me hante encore. » Je suis d'accord. C'est une pièce écrite par des Blancs sur une tragédie noire. Gaëlle, que pensez-vous des débats actuels sur l'appropriation culturelle, les discussions animées aux Pays-Bas autour du retrait de la traductrice blanche des poèmes d'Amanda Gorman suite à de fortes critiques? Voilà, Michel, pardon, pas Mig. Oui, alors déjà, pour Rwanda 94, je voudrais quand même rectifier dans le groupe off, il y avait également des Rwandais, il y a Dorcy Rugamba qu'il faut citer, qui faisait aussi partie des auteurs de la pièce, et puis je sais qu'il y a d'autres personnes, des Rwandais, qui ont aussi travaillé dessus. Mais concernant les débats qu'il y a autour de l'appropriation culturelle, moi je suis content qu'il y ait ces débats-là. Donc forcément, je suis assez attristé de voir la façon dont les débats ont lieu, c'est-à-dire forcément on ne s'écoute pas les uns les autres, et puis il y a toujours des caricatures, on finit toujours ne pas rendre compte véritablement de ce que disent les gens et de ce qu'ils réclament. Moi, je considère que pendant longtemps, ce sont des questions qui ne traversaient même pas l'esprit des industries, que ce soit l'industrie du cinéma, l'industrie de l'édition. Il y avait beaucoup d'institutions comme ça qui ne se posaient même pas ces questions. On avait le droit de parler n'importe qui avait le droit de parler de n'importe quel sujet sans se poser la question d'où il parlait. Et moi, je pense que c'est toujours important de savoir d'où on parle, d'être au clair avec soi-même et avec les autres par rapport à ça. Mais je pense que qu'il y a deux choses. Il y a déjà être écrivain ou traducteur, c'est de la technique. Donc, il faut déjà avoir cette compétence-là, parce que c'est pas parce que une technique. Donc, il faut la maîtriser. Peu importe la couleur que l'on a, peu importe le sexe que l'on a, on parle d'abord d'une technique. Et au-delà, et ensuite, il y a aussi la question de la curiosité, de l'empathie, de la sensibilité. Et ça n'a pas de couleur. Moi, j'ai eu, par exemple, beaucoup de gens m'ont dit au moment où je cherchais des réalisateurs pour adapter le roman Petit Pays en film, m'a dit, prends un réalisateur africain, rwandais, c'était forcément logique. Et pour moi, il n'y avait pas de logique. J'étais prêt à prendre n'importe quel réalisateur à partir du moment où le réalisateur avait de la technique, c'est-à-dire qu'il savait faire son métier, et qu'il avait une curiosité, une humilité. L'humilité, c'est extrêmement important, parce que j'ai rencontré des gens qui, des très bons réalisateurs européens, qui me disaient avoir tout compris du Rwanda,
Et moi, alors là, pour moi, à ce moment-là, ce n'est pas possible. Mais lorsqu'on tombe sur quelqu'un qui a une humilité, qui travaille, qui a une curiosité, qui a une modestie, la question de l'appropriation culturelle, pour moi, elle devient un peu plus compliquée à défendre. Donc, c'est toujours au cas par cas. Il n'y a pas de... Je serais complètement attristé qu'on soit dans un monde où, pour prendre la parole, il faut avoir vécu la situation ou être dans les baskets des personnes dont on parle. Parce que je trouve que, au contraire, si on a envie de faire de l'art, c'est ça, c'est la beauté de l'art, c'est ça, c'est de pouvoir d'un coup devenir qui l'on veut. Mais par contre, il faut être clair avec soi et il faut avoir de l'humilité et de l'empathie. Et ça, c'est vrai que ça manque énormément chez beaucoup, beaucoup de monde. Et donc, tant mieux qu'il y ait les débats qu'il y a en ce moment. Et moi, je le vois dès que on propose des projets. Eh bien, voilà, récemment, autour d'une série qui parle de l'Afrique, on m'a appelé là-dessus parce que c'était des gens qui se sont rendus compte qu'ils étaient entre blancs et qui voulaient écrire une série sur l'Afrique et qui n'avaient pas de noirs. Et donc, ils se sont posé ces questions-là. Et c'est assez nouveau. Vraiment, c'est assez nouveau. Je pense qu'il y a 10 ans, ils ne se seraient pas posé la question. Et donc, tant mieux, et il faut que ça continue. Et il faut le voir comme, je pense, une avancée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça veut dire qu'on va vers l'autre. Ça veut dire qu'on commence à écouter l'autre. Mais il n'y a pas de recette magique. Il n'y a pas... une manière de faire, mais c'est, pour moi, c'est encourageant. Il y a beaucoup, beaucoup de questions. Je voulais te demander si tu étais d'accord de nous accorder 10 minutes de plus. Oui, oui. Il y a le couvre-feu, donc de toute façon, je ne comptais pas sortir. Okay. Ce que tu viens de dire me fait penser à une question que j'ai reçue d'une étudiante qui me demandait... si tu avais, et c'est une question que je pense, elle n'est pas la seule à se poser, si tu avais un projet d'un deuxième roman, si oui, de quoi ça parlait, où tu en étais de ces projets. Et j'ajoute une autre question, peut-être tu peux répondre ensemble. Est-ce que tu as des trucs d'écrivain? Est-ce que tu dois écrire toujours au même endroit? Est-ce que tu as besoin de ta tasse de thé? Est-ce que tu écris quand les enfants sont couchés? Comment est-ce que tu fais? Oui, je vais écrire d'autres romans. En ce moment, je travaille sur un roman, mais je préfère pas en parler dans de la thématique parce que je me rends compte que parler avant que ça existe, c'est déjà commencé à figer quelque chose. Mais ça parle quand même, ça parle encore de mémoire, d'identité. Alors, il y a un roman qui est loin du Rwanda, loin du Burundi, et puis sur lequel je travaille quand même depuis longtemps. Et je me rends compte, c'est ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure, c'est que je commence à me rendre compte, enfin, j'ai comme une sensation que je suis en train de l'écrire pour dire que, ah tiens, en fait, je peux écrire autre chose que sur le Rwanda. Et donc, il y a un roman qui parle du Rwanda qui n'arrête pas de venir être comme une interférence dans le processus de création de ce premier roman. Donc voilà, je suis en train de me débattre avec ces deux romans, mais par ailleurs j'ai plein d'autres histoires que j'ai envie de raconter. Je sais pas si j'aurai l'énergie, le temps d'aller au bout de tout ce qu'il y a dans ma tête, mais en tout cas c'est passionnant. Et surtout, Petit Pays, ce roman m'a appris une chose, c'est qu'on peut parler de soi et enfin, parler de quelque chose qui a l'air tellement intime et touché jusqu'au fin fond de la Sibérie, parce qu'avec Petit Pays, je suis allé faire des rencontres en Sibérie, et c'était hallucinant pour moi de partir d'une impasse à Bujumbura et d'un coup pouvoir parler à des lecteurs dans le monde entier.
Donc ça a vraiment été pour moi un souffle nouveau dans ma vie que j'avais pas expérimenté avec la musique à ce niveau-là, enfin à ce point-là. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai beaucoup d'envie littéraire. Sinon, les trucs d'écrivain, moi j'ai besoin de quatre murs et de silence et d'un stylo et d'une feuille. Je tape pas à l'ordinateur, voilà, c'est tout. Parfois, quand ça bloque, je sais que quand ça bloque, j'écoute de la musique. Quand je bloque dans certains chapitres, j'écoute de la musique et ça, je pense que c'est ma façon aussi d'écrire des chansons. Donc, parfois, comme la musique fait venir les mots. Donc, dans le roman, ça m'est arrivé comme ça de bloquer, de mettre de la musique et puis les mots arrivent. J'ai aussi, moi, mon truc d'écrivain, c'est de beaucoup de me relire à voix haute. Donc, de vraiment pas oublier la musicalité des phrases. Et puis, mais ça, je le fais assez automatiquement, c'est-à-dire que je me place toujours. Mon point de vue, il est toujours depuis le Burundi, le Rwanda et la France. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'écris quelque chose, j'essaye de me dire comment on va le percevoir au Rwanda, au Burundi et en France. J'écris pas d'un point de vue... Je me dis pas, tiens, j'écris parce que de toute façon, ça va être lu que par des Français. D'ailleurs, c'est là-dessus que j'avais beaucoup de débats sur le film « Petit pays ». Quand on me disait le public, ça va être un public français, je disais non, moi, ce film-là, il faut avant tout qu'il puisse parler au Burundais et au Rwandais, sinon il ne parlera pas au français. C'est une manière pour moi encore de savoir d'où je parle et d'où je viens pour écrire. C'est ce dont on parlait à l'instant. Il y a encore une question qui est liée à ça, de Shadia qui dit que, comme, à juste titre, comme Léon Gontran Damas, votre travail semble émerger d'une démarche artistique profondément personnelle. La nécessité de comprendre la multiplicité qui vous constitue et l'accorder harmonieusement et justement au monde qui vous entoure, qui tend à privilégier l'unicité. Sachant qu'il y a une partie de vous dans votre art, est-ce que vous ressentez des difficultés à protéger votre vie personnelle, intime, privée, maintenant que vous êtes un personnage public ? Très paradoxalement, j'ai l'impression de ne pas beaucoup me livrer dans mes chansons et dans mon roman ou dans les romans à venir. J'ai énormément de pudeur c'est aussi quelque chose que je travaille. Je suis toujours très, très admiratif des gens qui arrivent à parler directement d'eux. C'est pour ça que j'étais très, très étonné hein, quand on présentait mon roman comme une autobiographie pure, parce que j'en aurais été... totalement incapable, je suis incapable de parler directement de moi. J'aimais bien la phrase de France Fanon qui disait « j'ai peur d'enfler le monde de ma personne ». Ce n'est pas de la fausse humilité, mais c'est simplement qu'il y a... je pense que c'est une façon de se protéger. C'est extrêmement violent que de créer et de présenter sa création aux gens, à la critique, et qu'elle soit positive ou négative. Hein. Je veux dire, c'est aussi difficile de recevoir un avis positif que négatif. Ça reste encore pour moi une forme de violence. J'ai besoin d'apprivoiser ça. Alors, j'ai comme ça dans mes envies d'écriture d'essayer de toujours m'approcher le plus possible de qui je suis, d'essayer de me livrer de plus en plus. Mais ça, c'est un combat avec moi-même. C'est pas pour faire acte de... c'est pas pour, disons, pour être impudique, mais c'est simplement que j'ai l'impression que qu'écrire, c'est une recherche qu'on entreprend vis-à-vis de soi.
tout le reste, vraiment, enfin, les gens qui font croire qu'on n'écrit pas pour soi, pour moi, c'est de la littérature. On écrit pour soi pour aller vers les autres, on écrit pour soi pour sortir d'une solitude, on écrit pour soi parce qu'on a peur de mourir ou de vivre pour rien, on écrit pour soi. C'est vraiment un rapport, c'est tellement solitaire, c'est tellement. Et c'est tellement contre-intuitif, je veux dire, de s'enfermer pour avec des mots que personne n'attend. C'est un peu une forme de folie pour moi de faire ça. Même souvent, hein, je me dis, mais c'est absurde, quoi, de passer une journée entière sur une phrase, sur une rime. C'est absurde. Je veux dire, le monde dehors, il y a des urgences, il y a des paysages à voir, il y a des gens, comme dit Césaire, il y a des hommes qui souffrent, et nous, on est en train de dessiner des ours qui dansent. Donc voilà, il y a cette urgence qui est terrible, et l'écriture, la création, ça nous apprend au contraire la patience, cette patience terrible de devoir rester assis avec soi-même. Donc c'est dans cette tension-là que je me construis, et j'aspire, j'espère que j'arriverai un jour à un peu mieux parler de moi et parler du monde qui m'entoure. Je rebondis avec une autre question de Cathy qui dit: de toute apparence, vous êtes une personne très réfléchie et discrète, mais sur scène, vous vous transformez en quelqu'un d'expansif et d'exubérant. D'où vient ce courage, ce changement? Ben, pour les gens qui connaissent la scène, je pense que ils savent que c'est un autre endroit. La scène, c'est comme les gens qui font des jeux vidéo. Enfin, moi, je connais pas très bien le monde des jeux vidéo, mais j'imagine ça un peu comme ça, c'est-à-dire que d'un coup, on rentre dans quasiment une réalité virtuelle de soi-même. On est un meilleur soi. On devient, enfin, moi j'ai l'impression de pouvoir être un super-héros. C'est fou, mais je vole vraiment sur scène. Mais ça, c'est pareil, ça s'apprivoise. C'est pas arrivé tout de suite, ça n'arrive pas tout de suite. C'est vrai que très tôt sur scène, je me suis rendu compte parce qu'il faut aussi gérer cette impudeur, montrer son corps aux gens, comme ça, monter sur scène. On est d'abord un corps, hein. Les gens n'entendent pas les paroles ou la musique, ils voient d'abord un corps. Donc, c'est l'expérience de l'enfant qu'on envoie au tableau, quoi. C'est très violent, c'est tout de suite très violent. Mais dans cette violence-là, les mots étaient un rempart, la musique était un rempart, et j'ai trouvé un lieu qui était très étrange, que je ne connaissais pas. Qui était fait de cette tension-là entre une peur et un courage terrible. Et c'est sur cette ligne de crête, je trouve, qu'on vit la scène. La scène, elle se vit intensément que pour ça. Tous les gens qui disent qu'ils n'ont pas le trac, c'est qu'ils passent à côté de la force de la scène. Parce que c'est parce qu'on a le trac que d'un coup peut émerger quelque chose qui nous dépasse, cette émotion-là qui transperce. Mais j'ai dû apprendre. Voilà, ça arrive pas tout de suite. C'est un chemin. Gaëlle, merci infiniment pour vos mots, vos lectures, votre musique et vos œuvres. Je suis curieuse. Est-ce que les ouvrages du projet Écrire par devoir de mémoire vous ont influencé? Ah oui, 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 complètement. J'imagine qu'on parle de Fest Africa. Sarah mentionne plusieurs romans. En fait. Il y a Murambi, il y a L'ombre d'Imana. Oui. Non, mais ça a été extraordinaire comme projet. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas, plusieurs écrivains du continent africain qui ont fait ce constat que pendant que le génocide des Tutsis étaient en train de se dérouler, ils n'ont pas pris la parole, ils n'ont pas vu l'événement, ils n'ont pas compris l'événement,
Et donc, ils sont allés au Rwanda très rapidement, je crois que c'était dès 1996 ou 1997. Certains sont restés quelques mois, d'autres sont restés plusieurs années. Et de ce voyage au Rwanda, chaque auteur en a sorti un livre. Et donc, pour moi, ces livres ont été très importants parce que d'un coup, c'était comme une boule à facettes de différentes visions et différentes sensibilités sur un même événement. Et donc, ça m'a appris aussi la multiplicité des regards, la pluralité finalement des sensibilités des êtres humains. Je pense que le Boubacar Boris Diop, Moulambi est un des livres qu'il faut lire. Mais moi, j'avais été très très marqué par La Moisson des crânes de Waberi. C'était même pas un roman, c'était presque un essai. Et il y en a beaucoup. Il y a vraiment. Enfin, j'invite les gens à lire ces livres-là. Ils sont fondateurs. Et j'ai une pensée d'ailleurs pour un ami qui s'appelait Théo, qui avait beaucoup participé à ce que ça puisse exister. Merci Gaël. On va s'arrêter là. Je vais te rendre à ta famille. Merci. Merci beaucoup de nous avoir accueillis chez toi. J'espère qu'on pourra un jour t'accueillir chez nous à la Maison Française pour une lecture à domicile. Et je remercie le public pour toutes ces questions. Navré de ne pas pouvoir toutes les prendre, mais il y en a beaucoup trop. Merci. Merci à toi Fanny, merci à Chani et puis merci à tout le public.